sais, en tabarnak, papa, je t'assais, en tabarnak, ça aboute. Moi, faut que je m'exprime, Tony. Encore un excellent enseignant qui passe sous le couperet, le hug de l'oppression dictatoriale. Écoute, le gars, il est tellement bon professeur. Il boit du jus de guenille pour montrer à ses élèves que regarde, il n'y en a pas de danger. Il donne des grimaces dans la face de tout le monde. C'est pas grave, puis tout le kit. Moi, simplement, puis je vais boire l'eau. Après que je l'ai trempé, fait que j'ai mis ma fameuse guenille dans... Ah ben, je vais le faire comme ça, tiens. La guenille dans le verre. Ben oui, la fameuse guenille dans le verre. Et là, on va mettre de l'eau. Parce que selon la théorie des virus, des germes, c'est sûr que je vais prendre quelque chose. Pas très propre. Vraiment pas propre. Je vous dis, là, c'est qu'est-ce qu'on ferait pas pour la science, hein? Bon. Tourlou, ouf, c'est vraiment pas propre. Vraiment, vraiment pas, mais bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la science, comme je l'ai dit? Ah, ça coûte normal, là, quand même. Bon. C'est ça. Oh, je suis outré, ici. Pour les enfants, papa. Pour les enfants, ça, ça en est un qui avait les pensées à la bonne place puis les couilles sur la table, qui avait pas peur de dire au Deep State qu'il y avait des manières de faire avec les enfants qu'il fallait pas faire. Puis écoute, là, ça en est un, il avait pas peur de faire sa science non plus. Il allait au bat, hein, comme on dit, papa, là. Ça en était un, il avait le cœur sans main, je le sais. J'ai déjà fait des manifs avec, on allait crier après du monde dans les cours d'école. Je te jure qu'on l'a ramené, la partie. Hey, écoute-moi bien, là. Écoute. Il se fait traiter de même un patriote. On est rendu que ta boire. Écoute, là, je ne sais pas jusqu'à quel point il va falloir que ça se rende. Écoute, c'est rendu, nos professeurs n'ont même plus le droit de boire du jus de guenille. C'est ça. Je t'assomme, je ne peux pas le croire. T'as aucun tabac. Puis c'est à son but de gagner à lui que c'est lui qui a fait citoyennement. Et hey, puis en plus, tabarnak! Par la poche, c'est vermin puis la flamme violette, en tabarnak. Plus, pour faire son expérience, si, il était après de nettoyer le métro au complet. C'était plus propre quand il a fini. C'est ça. Probablement, c'est ça que la mairesse a pas aimé. Hein. Elle dit, c'est mon métro, on travaille assez fort pour transformer ça en soi cochon. Là, toi, t'es en train de le nettoyer puis de te transformer ça en preuve que les mondialistes, ils vendent la vaccination puis les virus pour transformer nos enfants en efféminés, transhumanisés. Pour aller en plus, il a même pas laissé de traces. Il a même pas laissé de traces. Tu peux pas être plus écologique que ça. Il a bu l'eau de cacodière. Écoute, après qu'il a eu fini, la seule affaire qui va rester de ça, ça va être son pépi. Le cabinet du ministre de l'Éducation n'a pas voulu émettre de commentaires, mis à part que Québec a adopté le projet de loi 47 qui vise à renforcer la sécurité des élèves, une nouvelle loi qui permettra entre autres l'élargissement des vérifications et des antécédents avant l'embauche du personnel.